Salut à tous, ici Génération H. Alors, je vais vous faire un petit tuto pour un truc assez sympa. Et je vais vous montrer ça tout de suite avant de vous expliquer comment faire. Alors, d'ailleurs, on va activer hop, ceci. Pouf. Ouais, dégage là, toi. Voilà. Alors, c'est une petite animation pour PC au niveau Among Us. Les personnages bougent tout seuls. Ils peuvent... C'est une animation, ça c'est sympa, je trouve. Comme vous pouvez voir, il marche seul, il se balade tranquillou. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, ok. Il est en train de me regarder bizarrement. Ah, il dort. Bon, on va le laisser tranquille, hein. Après, il y a les bébés Mangus aussi, c'est pareil. Donc, je vais vous montrer les bébés Mangus. Il y a le rouge. Voilà, il va se balader tranquillou. C'est extrêmement simple à utiliser sur PC. C'est marrant. Il peut aussi monter au niveau des côtés sur les écrans, comme là, le rouge, ce qu'il est en train de faire. Hop, ah, il s'est cassé la gueule en plus. Cher pour sa gueule, tiens. Tu fais quoi? Tu peux le prendre. On peut le prendre aussi. Hop, on peut le balader un peu, le balancer en hauteur. Je sais pas s'il va revenir par contre. Ah si. Voilà. C'est. Je trouve ça déstressant un peu. On peut les balancer, c'est marrant. Ouais. Voilà. Après, je vais vous expliquer comment faire. Alors, il faut quelques petits logiciels annexes hein, pour ça. Alors déjà on va fermer ça parce que j'ai upload les fichiers sur Mega. Donc d'abord il va vous falloir Java installé sur votre PC. Déjà c'est le premier truc à savoir c'est qu'il fonctionne avec Java. Donc c'est la première chose. WinRAR si vous l'avez pas. Voilà. C'est tout ce qu'il faut en logiciel. Et télécharger les applications. Donc je vais vous montrer. Comme vous pouvez voir là, ils sont en train de monter là, je sais pas ce qu'ils foutent les deux là. Ils sont en train de faire de l'escalade. Ils sont assez bizarres les deux là. Putain, les jeunes dégagent, là de l'autre côté. Ah, il s'est même accroché. Putain, c'est Tarzan. Et bah, du coup, bah voilà. Hein. Bon, je vais télécharger, je vais vous montrer ça. C'est pas très compliqué à faire, hein. Juste télécharger Java. Voilà, Winar, pareil. Prenez bien la version gratuite. Du coup, ça, on pourra fermer. Je vous mettrai tous les liens des logiciels que j'utilise. Alors, premier, hop, on installe Java. Qui va se faire d'ici quelques secondes. Ah. Il y a le jaune, le papa jaune qui part en cacahuète là. Ah, bah le rouge il s'est cassé la gueule, tiens. Cher pour toi, tiens. Tiens, vol. Ah, par contre, il est parti un peu loin là. Le pauvre. Ah, voilà. Voilà, après là avec moi, j'ai déjà installé Java, je vous montre comment faire. Mais après, là, il faut faire suivant et ça se démerde tout seul. Winar, pareil. Quand vous l'installez Winar. C'est pareil, hein. C'est pas très compliqué. Ouvrir, oui. Installer, hop, ça se démerde. Ok, terminé, c'est fini. Winar est installé. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Après, quand vous êtes par exemple ici, quand vous avez téléchargé les fichiers, vous avez juste à faire clic droit, extraire ici. Enfin, je vais mettre oui partout, mais j'ai pas besoin de le faire, donc voilà. Et du coup, quand. Bah attends, c'est le petit jaune qui n'est pas là. Par contre, le rouge, il est... je sais plus où il est le rouge. Ah, il est sur le deuxième écran. Attendez. Hop, reviens ici, toi. Voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, installez Winar. Voilà. Voilà, on reprend. Hein. Je vous montre. Hop. Ah, salut toi en bas. Comment vas-tu? Alors, qu'est-ce que tu me fais debout? Hop. Allez. Ah, là, il y a une petite icône en bas à droite. Voilà. Où on peut par exemple même changer le langage. Je vais mettre français direct.
Il est où un petit peu Game Engine là? Wesh, il s'est barré sur l'autre écran là. Wouhou! Voilà. Allez, vol. Après, je pense, j'ai pas regardé les options, je me regarde en même temps. On peut mettre aussi l'option suivre le curseur. Allez, viens. Il fait délirer. Ah, allez, viens. Ouais. C'est feignant, là. Lève-toi, là. Regarde. Je t'ai demandé de suivre le curseur. Bon, il n'a pas l'air motivé à suivre le curseur. J'ai la sensation. Ou il a la flemme. Comportement permis. Lancement des fenêtres, reproduction clonage. Paramètres, on va aller voir un peu. Choisir fenêtre interactive. Ah oui, attends, on va mettre. Tiens, Discord. Wesh. Je sais pas comment ça fonctionne réellement là, la fenêtre interactive. Chat, Notepad, Friends. Ouais, Windows Live Messenger, ça existe toujours cette dame? Ouais, bon, je vois pas quoi, c'est trop. Là, du coup, hop, voilà. Ouais, il suit en plus là. Mais il suit pas énorme. Après, c'est ouais. Faut laisser faire sa vie, quoi. Wesh, il y en a un deuxième qui arrive. Allez les gars, allez vous. Bon attends, je crois que j'ai tout cassé le truc. Bon. Il fait sa vie, c'est ça? Ouais. Il fait sa petite vie, pépère, tranquille. Attends, on va appeler le rouge là. Pour orange rouge Among Us. Alors le pet yellow à red. Alors on va appeler ton pote rouge là. Ah ok. Ouh, wesh, il s'est pris mieux. Comme vous pouvez voir, hein, à chaque fois, vous avez un petit menu qui s'affiche hein, pour chaque petite Among Us. Hein. Ah, il est fatigué déjà le rouge. Ah bah ouais, bah tiens. Petite feignasse. Bah voilà, du coup, sur ce, je voulais vous faire ce petit tuto. Tous les liens seront dans la description. Et bah voilà, et je souhaite, je vous dis à Alors, bientôt. ayant eu un petit souci pendant la vidéo, j'ai fait un petit cup et j'ai eu un petit souci en fait. Le fichier JAR se montrait en tant que fichier à ouvrir avec notes. Du coup, en fait, le souci c'est que si vous avez ce souci-là, il faut aller dans propriétés. Vous avez la propriété du fichier qui va s'ouvrir et vous verrez un peu plus haut, là sur l'exemple, vous verrez ouvrir avec. Vous cliquez sur modifier et vous sélectionnez Java. Une fois que ça que c'est fait, le problème sera Bah résolu. voilà, et je souhaite cette pour décompresser et Java pour.